Merci beaucoup d'être là. Donc, comme d'habitude, on fait ce séminaire à deux voix. Moi, je suis Sophie Curgeon, je suis professeure à l'American University of Paris et je représente la partie française. Et je laisse Renate se présenter. Good evening. Thank you very much for coming out in this beautiful weather. Welcome to the fourth research seminar in the series tonight on May 4, reassessing fashion in everyday life. My name is Renate Sells and I'm an assistant professor of fashion studies here at the American University of Paris, and also the program of coordinated fashion studies. And together with Sophie Curgeon, we're going to switch between English and French for a brief introduction to frame this evening before we give over to our guest speakers. Donc cette séance, comme Renate vient de le dire, en français, on l'a intitulée « Made for » et évaluer la place de la mode dans la vie de tous les jours. C'est toujours compliqué de traduire et que ça fasse, que ça soit fluide. Mais cette séance, elle s'inscrit donc à la suite d'autres séances qu'on a organisées avec cette idée de déconstruire l'histoire de la notion de mode parisienne vers un récit déhiérarchisé. L'idée, c'était qu'il y a énormément de choses sur les grands couturiers, énormément de choses sur les grands noms de la mode, sur les grands magazines, tout ce qui est luxueux, mais très peu de choses sur le quotidien, sur ce qu'on ne voit pas, les coulisses, les ouvrières par exemple, la seconde main. Donc c'est pour ça qu'on a initié cette série de séminaires sur différents aspects de ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on ne connaît pas assez. Donc pour vous rappeler, dans les dernières séances, on a abordé le made-in, où se fait en fait la mode parisienne. Pas forcément seulement à Paris, ça peut être en Inde. On avait abordé le cas de la broderie en Inde, qui aujourd'hui encore alimente beaucoup la haute couture française. On avait fait une séance sur le made from, tout ce qui est technique issue de l'étranger, comme par exemple comment on produit la soie. Voilà, on a une histoire chinoise qu'on a tendance à oublier. On a aussi parlé du made by, on a parlé des immigrés, des étrangers qui contribuent à la création de la mode française. On a parlé du made with, et aujourd'hui on va parler du made fort. So we relaunched this seminar series, which has been running for 12 years, thanks to Sophie Curgeon, in collaboration with the EHTP-CNRS Research Network here in France. So we relaunched this at AEP in April of last year. And it was with the intent and the theme of deconstructing the notion of Paris fashion, moving towards the de-hierarchized narrative. So we wanted to deconstruct this very dominant and this very exclusive and excluding narrative around Paris fashion to see what lies behind it, its stories, its people, the places that are connected, the processes, the materials, which are often excluded from this quite narrow narrative. So as you know, this story of Paris fashion has been told more along the dominant lines, along the great men, mainly the glossy images, the perfection, constructed notions like La Parisienne, for example, and this is our day was really to go behind that, to unpack that. So we've had four seminars so far, looking at made in, considering where is Paris fashion really made, and it turns out Portugal, etc. But also, what is it made from? What are the materials? Where are the materials coming from? What are the global flows around the materials? Rethinking who is involved, who makes Paris fashion. And now, today, we turn to the everyday notions, which are, again, very much excluded from the story now. Alors, on va juste faire une introduction assez rapide avant de laisser la parole à Ariane Fento, professeure d'anglais, je te laisserai dire, et Valérie Alba, qui est doctorante. Ariane parlera du cas des poches et Valérie du cas de mode ou des habits de deuil. Mais avant ça, on veut juste faire une brève introduction. Peut-être aussi pour vous, étudiants, ça peut être une bonne manière de brainstormer rapidement sur ces petits concepts de everyday wear and everyday life. So, peut-être la première référence qu'on trouve particulièrement intéressante, c'est un article, on peut peut-être vous l'envoyer si vous voulez, écrit par Hazel Clark et Cheryl Berkeley, Conceptualizing Fashion in Everyday Lives. Et c'est un article qui essaie de retracer ça. Pourquoi on étudie la mode que d'un certain prisme
et pourquoi on parle toujours des mêmes grands couturiers et qu'on ne parle jamais de ce qu'on porte au quotidien, ce qu'on porte pour aller acheter un pain au chocolat ou ce qu'on porte pour aller au sport. Et donc juste peut-être une citation, elle dit dans leur article, en regardant au-delà du terrain familier de la mode, c'est-à-dire le podium, le magazine, la boutique, le grand magasin, le créateur, nous pouvons tracer une trajectoire complémentaire de la mode au quotidien au cours des 100 dernières années. Nous soutenons que la mode a été intégrée et contingente dans les pratiques de la vie quotidienne des gens et qu'elle a été localisée dans certains espaces familiers, y compris dans la rue. Et pas seulement sur les grandes artères de la ville moderne, mais aussi dans ses marges. La mode a pris forme dans certains lieux intimes, la garde-robe ou la boîte à couture, ainsi que dans les rituels et les interactions sociales banales des mariages, des soirées en ville ou des soirées dansantes. En anglais, peut-être que ça sonnera mieux. Looking beyond fashion familiar terrain, the catwalk, the magazine, the boutique, the department store, the designer, we can trace a complementary everyday fashion trajectory over the past 100 or so years. We argue that fashion has been embedded and contingent in the practices of people's daily lives, and it has been located in some familiar spaces, including the street, although not only on the major streets of the modern city, but also in its margins. It has taken shape in some intimate places, the wardrobe or the swing box, as well as in the rituals and common places, a commonplace social interaction of weddings, evenings out on the town or dancing. Et elles, ce qu'elles font dans leur article, et aussi dans le livre qu'elles ont publié, Fashion and Everyday Life, London and New York, elles essayent de dépasser la dichotomie entre haute culture et basse culture, entre le quotidien, l'ordinaire et l'exceptionnel. Et Renate, tu vas aborder peut-être ensuite ces basse culture, haute culture. Donc ça, c'est une référence qu'on trouve plutôt très intéressante. Donc cette idée de visible-invisible, c'est-à-dire qu'on voit toujours ce qui se passe sur le catwalk, en couverture du magazine, mais on ne parle jamais de ce qu'on porte nous au quotidien, comment les gens font pour s'habiller, comment ils négocient avec les normes. Et pourtant, ce n'est pas par manque de sources, parce que si on regarde, on a quand même des photographies, on a quand même des documents qui nous permettent d'aborder ce sujet, notamment des photographies qui permettent de voir en fait que les gens suivent la mode, même s'ils n'en ont pas forcément les moyens. Une deuxième référence qui, à mon avis, est très importante aussi, Michel de Certeau, L'invention du quotidien. Il étudie la théorie du quotidien dans son livre, il y a deux volumes devenus plus qu'importants, avec cette idée que en fait, il faut regarder à côté, il faut regarder du côté des pratiques de tous les jours. Il ne parle pas proprement parler de la mode, mais en tout cas, on vous propose aujourd'hui d'utiliser sa grille de lecture et de l'appréhender via la mode. Avec cette idée, comment la mode façonne et est façonnée par la vie quotidienne, quel est le rôle joué par la mode dans les routines quotidiennes, comme aller au travail, faire les courses, les activités loisirs. Et l'idée, ça serait ce soir de définir un système de mode de l'ordinaire dans lequel le vêtement joue un rôle dans la manière dont on se présente au monde, la manière dont on construit son identité, dont on construit les interactions avec les autres. Et une phrase pour terminer, dans la nouvelle édition de ce livre, on a une belle préface et cette phrase, je pense qu'elle est intéressante parce que ça va au-delà de juste étudier la mode du quotidien, c'est de comprendre ce que font les gens, ce que vous faites avec vos vêtements, quelle est votre marge de manœuvre ou votre agency, si vous voulez. Là où le consumérisme ne voyait que consommation passive de produits finis, volume d'achat augmenté ou part de marché à déplacer d'une marque à l'autre, là où le vocabulaire marxiste parlait en termes d'exploitation, de conduite et de produits imposés, de massification et d'uniformisation, Michel de Certeau proposait comme premier postulat l'activité créatrice des pratiquants de l'ordinaire. On serait des pratiquants de l'ordinaire et en fait on aurait des idées, on aurait un peu de système D et on suivrait la mode même sans être, par exemple, faisant partie de l'aristocratie. Donc cette idée d'agency, peut-être qu'on dirait en anglais, on est des pratiquants de l'ordinaire et on a une activité créatrice. En tout cas, c'est ce que Michel de Certeau étudie et j'imagine qu'on va peut-être en parler ce soir. Donc juste deux, trois exemples avant que je te donne la parole, Renate. L'exemple du chat chicot, moi c'est quelque chose dont je parle souvent en cours parce que c'est quelque chose que je trouve fascinant, cette idée, cette technique japonaise qui est loin d'être nouvelle mais qui consiste à recycler ses vêtements, à ne pas les jeter mais à essayer de s'adapter à la course du temps, au manque de moyens et en étant en fait finalement très créatif. Peut-être aussi la question de la technique dans cette pratique de l'ordinaire, quid des machines à coudre, des nouvelles techniques qui nous permettent, qui ont permis aux femmes dès la fin du 19e,
de créer leurs propres vêtements, de créer les vêtements de leurs enfants, de les reprendre en cas de damage. Donc voilà, juste des idées, comment, en fait, quels sont les outils dont on peut utiliser pour gérer, pour s'approprier la mode. Et aussi un dernier exemple, la seconde main, on en parle beaucoup en cours, avec cette idée que c'est pas nouveau, il y a toujours eu la seconde main, là, avec le carreau du temple fin 19e, là aussi le carreau du temple, c'est un immense espace où les gens achetaient, cousaient, recoupaient et s'amusaient entre guillemets avec les vêtements pour s'habiller et faisaient preuve d'une grande créativité. So I'm not going to go over the same sources, but I think you got the point that in fact, even though the everyday is our shared everyday, is the common, there's very little work on the everyday in dress and on the everyday in fashion. So the work of Hazel Clark really poses an exception, this book that Sylvie was talking about. And very usefully, we can think about the work of Michel de Certeau, because there's so little in fashion studies so far to adapt his principles, his ideas to our interrogation. But something I wanted to touch on is, in fact, what we need to remember that haute couture and mass production developed around the same time. They developed together. What we have in fashion are parallel systems of provision. We have the handmade next to the mass produced, verified next to this notion of the everyday. And what we see as a narrative is that we have the high and the low. We have the exclusive and the everyday. So in fact, the narrative is very much based, and we talked about this in class, today in fact, value creation through disassociation. The high fashion creates value by disassociating itself from the everyday. And Elizabeth Wilson in her quite legendary book, In Dawns and Dreams, she expresses it in the following way. She says in the field of fashion, as well as in other branches of arts and crafts, the unique and the mass-produced develop together. Consequently, the exclusive dress had to be definitively distinguished from the vulgar copy. The dress designer had to become an artist by signing inspirations, by giving authenticity to what mostly he was doing. And the mechanisms of this association are expressed really well in Pierre Bourdieu's Haute Couture, that was originally published in French in 1993, where he talks about this mechanism of transubstantiation. So this is how it works. The couturier performs an operation of transubstantiation, take supermarket perfume at 3 francs, the label makes it a Chanel perfume worth 30 francs. The mystery is the same with Duchamp's Rhino, which is constituted as an objet d'art, both because it is marked by a painter who signed it and because it is exhibited in a consecrated place, which in receiving it makes it a work of art. So now transmuted economically and symbolically, the creator's signature is a mark that changes not the material nature but the social nature of the object. So in fact, high fashion is really very much about the social nature of the object. And what we see is that the everyday is constructed as less valuable, a very classist notion of fashion, which is related to the fact that the everyday connotes everyone, everybody, everywhere. And this is exactly what is not supposed to be happening in fashion. Fashion is supposed to be this sacred and exclusive space for certain bodies in certain places. And the aim really of this evening is to redress that balance, to open up this hierarchical notion of fashion. And we are thrilled that we are joined by two speakers tonight who will shed the light on very specific areas of the everyday dress. And I'm very happy to introduce Ariane Feletto, maîtresse de conférence at HDR, l'Université de Paris. And she lectures in 18th and 19th century social and cultural British history, and her research focuses on material culture with a particular emphasis on dress and textiles. And she has written
things like on the afterlife views, things recycling in the long 18th century, and she's published a fascinating book called The Pocket, A Hidden History of Women's Lives, 1690 to 1900. So please give a warm welcome to Ariane Pinato. Thank you so much for joining us. So thank you very much for inviting me, and thank you for including me in this attempt to de-hierarchize fashion history. This is one of my one of the things I'm really passionate about, and I really enjoyed your introduction and the tools you gave to try and unthink or rethink maybe what I tell my students. I see as the difference between fashion and dress. Fashion being the discourse and dress being the sartorial practice, the everyday, what we do, which might be fashionable or not fashionable. So I'm going to talk about something that is not fashionable and kind of was never fashionable, as I will try and explain, but was still worn for about 200 years and was extremely useful as an everyday accessory to women's lives. So the object I'm going to talk about, I'll show you obviously historical examples, but is that type of pockets. Okay, so these are called tie-on pockets, and sorry, I'm moving away from the mic just to demonstrate, and you would wear them around your waist, like that. Obviously not over your dress, but under your dress, and you would access the opening through openings on the side of your dress. So they would be worn under your garment, but as you can see, they were very capacious. And you could have one, two, even four, if you needed to have full capacity. And you can, I mean, I'm sure the women in the audience know that today we don't really have that capacity, right? So I'll circulate them. The 19th century nursery rhyme, Lucy, that the English speakers will know, Lucy Locket lost a pocket, Kitty Fisher found it, not a penny was there in it, only ribbon around it, which for the French speakers is like a little nursery rhyme, c'est une petite ritournelle pour enfants, which most English speakers know. Is perhaps the only shared memory of the otherwise mostly forgotten object that I will be discussing today. Yet, every day, between the late 17th century and the late 19th century, women and girls of all social classes wore these detachable pockets like Lucy's, which is why Lucy could lose her pocket. They tied them around their waist, as I said, independently of their clothing, and they reached them through openings in the side of their petticoats or dresses and put them on and off at will. Pockets may seem obviously very obscure today, but when restored to our attention, they open up, I think, a rich nexus of historical questions ranging from women's domesticity and work to agency, from possession to financial independence, from consumer practices, because they're themselves objects that have to be made in textile, and obviously they also keep possessions, and as well as work or agency. And also privacy, sorry. Far from being insignificant, therefore, they actually offer a fruitful insight into women's lives in the past. In his milestone, how do I switch here? In his milestone book, In Small Things Forgotten, which is an old book but a really good book, by James Dietz, James Dietz draws attention to the wealth of information and meaning contained in what he calls small things for the historian. It is terribly important that the small things forgotten be remembered. For in the seemingly little and insignificant things that accumulate to create a lifetime, the essence of our existence is captured. We must remember these bits and pieces, and we must use them in new and imaginative ways
so that a different appreciation for what life is today and was in the past can be achieved. The written document has its proper and important place, but there is also a time when we should set aside a perusal of diaries, court records, and inventories, and listen to another voice. Dietz thus makes a double call to remember and study small things and to use them as sources for historical inquiry. The book that I co-wrote on Pockets is trying to address both calls. So it's a book I jointly wrote with a colleague whose name was mentioned as one of the people who also is trying to push this idea of the everyday, Barbara Berman. And it was published by Yale University Press in 2019. That's the new cover. So it focuses on a small and seemingly unimportant object to try and recontextualize it, as a culturally and socially embedded artifact that can bring an important contribution to our understanding of women's relationship to possession, consumption, mobility, work, sociability, or privacy. So our contention in the book is that objects matter to the writing of history, and that they specifically matter if you intend to delve into women's past at a time when traditional literacy was a male rather than a female preserve, and that this is all the more important when you want to study plebeian women who seldom, if ever, left any written records in their own names. So whatever trace we have of women's lives is often through the prism of male-written voices, male-written sources. And yet, at the time, if women could not always read or write, all wore a pocket, and all could more or less aptly and with more or less passion hold and use a needle. So concentrating on written sources alone may actually obscure other types of testimony left in objects themselves. And so this is the other contention, one of the contentions of the book. Our other contention is that a small thing, something that is marginal and hidden, can open up big historical questions. Pockets are seemingly inconsequential and trifle on various counts. They are utilitarian, they're everyday, they're commonplace, they're textile, last, they're female. So they score pretty low in the hierarchy of noble and important historical topics. Yet, we argue that pockets are worth studying not just despite their smallness, but precisely because of their smallness. There is a specific heuristic power to smallness. By forcing the gaze to refocus, it recalibrates somewhat of vision, asks different questions, and hopefully gives slightly different answers. Although, obviously, nothing can give all the answers, but by changing the type of question you ask, you also kind of getting different pieces of the jigsaw puzzle. So rather typically, women's pockets were so much part of the everyday experience of women of the period that they have left relatively few traces in the sources traditionally used by historians. They're often handmade and of little value, so they are seldom listed, say, in the merchants' ledgers, in the probate inventories or in wills, because they hold very little economic value usually. Because there were, but of course you can sometimes find them and you're very happy when that happens, but it's really a needle in a haystack. You can't just open a will and think you're going to find pockets. Because they're worn under the skirt, they make only discreet appearances in paintings and engravings. With their being part of the fabric of the everyday means that they're seldom dwelled upon or described in texts, whether they be published texts or unpublished sources like diaries or letters. People seldom describe their pockets, you know, just like you do. You don't really talk about your pockets in your in whatever you write.
so that carrying this social and historical study of women's lives through the prism of their pockets requires that, of course, you draw on all of these, as well as other sources, for instance, court cases or coroner's reports, which for women who left no diary, for instance, letter or account book, are especially important because they shed light, quantitative as well as qualitative information on what women carried in their pockets, but also the everyday practices that women organized around their pockets, where they store them at night, when they put them on, how many they put on, etc. So it's not just about what they lost when, say, they were attacked, but it's also how they dealt with their possessions, what rituals they had on a very, very much on an everyday level of practice. Whilst the body of over 390 extant pockets that we studied in about 30 UK collections, both private and public, form also an irreplaceable body of evidence whose testimony the book foregrounds. One of the criticisms made by historians to people working with objects is that surely items that have been kept by museums are socially unrepresentative. They're fine specimens, because fine specimens were probably more likely to be preserved than mundane ones. So of course this is true of some collections and some particularly fine examples of embroidery like this one. This is like the star of the 390, probably because of the fine embroidery it has. It's in Bath, and this is true of the Bath Museum, say of the V&A Museum, because of the story of the, you know, the collecting practices of these museums. But if you look at other collections, these are other very fine examples. But if you look at the collections of other museums whose acquisition policy have been driven by the idea of preserving a plebeian heritage, many of their pockets are made in hard-wearing materials, while their workmanship is sometimes crude, and they exhibit many signs of wear, tear, as well as the work put into repairing them, into keeping these objects into use. So it is our contention that in its extent and diversity, a survey registers evidence that cannot be easily garnered from other sources at a time when, which we call material literacy, so the capacity to deal and read objects was more widespread than textual literacy. The first lesson learned from a material archive has to do with the chronology of the object, which, unlike what fashion historians have thought, based mostly on written sources, the pocket was not replaced by the reticule or the kind of handbag at the end of the 18th century when women started wearing high-waisted muslin gowns. This misconception had derived from looking at fashion prints and newspapers published at the time, which pitted the old-fashioned pocket against the new modern reticule. And this is very much a discourse of fashion. The reticule is a fashion accessory, which the pocket is not a fashionable accessory. It's not a fashion accessory. Women are being told in the press, give up your pockets, this is so old-fashioned, this is the accessory of your grandmother, you don't want that. If you're modern, you want a reticule. But what we find is that you have this discourse, and yet women hang on to their pockets. You see that when you look at the objects themselves, because some of them are dated with dates that go well beyond the muslin dress. I don't know whether you can see the dates clearly, but this goes, so you have 24, which is still kind of muslin dress territory, 36, 42, 63, and the last one, which is the famed one, 1892. And you also have that by looking at the techniques that are being used, and you see that some techniques are easily datable, like the
sewing machine, and so these pockets were made after 1850. So somebody felt the need to make a pocket after 1850. So yes, they were unfashionable, but they were still being felt to be useful. But so beyond redressing in a way this faulty timeline, which in itself is not that interesting, what I find, or what we found interesting in seeing this discrepancy, is that the persistence of pockets despite the fashionable reticules shows that sartorial practices and consumption are not always governed by a desire to shine or to emulate, because these are objects that are not seen, that are not being displayed. And this too, in a sense, points to the difference I started from, that is the difference between dress and fashion, as pockets were an essentially unfashionable accessory rather than a fashionable accessory. With specimens, so this is examples of the cohabitation of the muslin dress with pockets, and these are other examples. You see the pocket hole in the young lady's muslin dress, and this we believe is a kind of altered pocket that would be compatible with the muslin dress. With specimens often measuring over 40 centimeters in length, sometimes up to 60, this is the biggest pair of pockets we have, and routinely being 30 centimeters in width, a survey of surviving pockets illustrates one very pragmatic reason they might have persisted. They were extremely practical and capacious, something which of course shoplifters put to routine use. As you can see in prior records, for instance, Sarah Gladman in 1806 had thus managed to stuff in her extremely large pockets 25 yards of gingham. 50 yards of printed cotton was found in the pocket of somebody else, so we assume that these were pockets made for thieving. Whilst Phoebe Morris made off with 40 potatoes in her pocket in 1839, and Jane Griffith, a farmhand, took her chances in 1777 with two live ducks. So we assume one in each pocket. She was caught. Didn't work. capaciousness didn't just serve criminals. And it also served lady of better means, or more elite women. When a lady was attacked on Barnes Common in London in 1754, her pockets, she published an ad to say, to try and retrieve her loss. And she said that her pockets contained, among other things, a small tortoiseshell snuff box, a London almanac in a black shagreen case, an ivory carved toothpick case, a silver sliding pencil, a white chameleon seal, a tortoiseshell comb in your case, a silver thimble and bodkin, a bunch of keys, a red leather pocket, a green knit purse containing half a guinea, a crown piece of William and Mary, and about 5 shillings, and 2 glass smelling bottles. This is among other things. Sorry, try and fit that in any of your, better pockets. Especially when you think that a lot of these are metal, so they'd be heavy. Of course, here we see the objects, the pocket-sized objects, which the consumer society of the time was producing for the pocket, both male and female. In an age of expanding consumption, the small space of the pocket did not escape the kind of consumer frenzy, or at least the focus of an ever-encroaching marketplace that produced innumerable pocket accessories enabling to carry and keep at hand the wherewithal of polite sociability in miniature form. And this is a type of miniature objects that were produced.
in the 18th and 19th century, so the books, the little books are all 19th century. The commodification of the pocket space did not escape commentators like Adam Smith, who wrote how many people ruin themselves by laying out money and trinkets of frivolous utility. All their pockets are stuffed with little conveniences. They contrive new pockets unknown in the clothes of other people in order to carry a greater number, whilst others targeted specifically women for stuffing their pockets with these useless trinkets. Yet, despite the, again, here is discourse about what women kept in their pockets, obviously, so you have the exact, you have the impression that this is what women carried, but when you look at other sources, the example, the image that comes out is slightly different. Almost contemporary with a woman attacked on Barnes Common, another woman was attacked also in London, and she lost one ticking pocket, so this is a very mundane fabric, value 1 penny, one iron key, value 2 pence, so this is close to nothing, one pen knife, value 1 penny, and one brass thimble, value 1 halfpenny. The things in her pockets may have been modest, and they were, but they could be rich and varied in meanings. If a key suggests independence and security, it means she had access to some kind of lock, a door, a piece of furniture that could be locked. A penknife is an indication of potential literacy, since it was used to sharpen the nib of your pen, and maybe potentially education. Whilst a brass thimble could hold the promise of waged labor, indicate a well-kept household, whilst also having strong personal associations, thimbles being often given as tokens of sentiment between friends or lovers. The contents of a woman's pockets, therefore, whether ample or meager, are more than a yardstick of plenty or want, luxury or necessity. The inside of a woman's pockets, once glimpsed, is a suggestive place, a miniature cosmos that can tell us how a woman could own, use, and think about material things, and index also to how she saw and imagined herself. In a context where privacy was a privilege enjoyed by the few, pockets also afforded women a space they could hope at least to call their own, and where they could enjoy a modicum of privacy, although this was always fragile and contested, as we are reminded by a domestic drama that unfolded in August 1770 in a London lodging house. And sorry, this is a kind of tragic story, but we often encounter pockets in those circumstances. So what happened is one of the lodgers in the lodging house, Elizabeth Warner, she was an unmarried servant, and she was charged with killing her newborn baby daughter in the house. Suspected by the landlady of having given birth, Elizabeth at first prevaricated, no doubt in dread of a possible charge of the capital crime of infanticide, but then confessed to an early miscarriage in the proof. Mrs. Smith, who's the midwife, was called, so the local midwife, was called to the house to investigate the goings-on. She describes the search. There was a box locked. I asked her for the key. She would not let me have it till I threatened to break the box open. I opened the box and found a parcel of dirty things. I found the afterbirth in a leather pocket. I looked farther and found the child wrapped up in one of the prisoner's shifts and petticoats, dead. Elizabeth's sad tale of loss and fear manifests how it was to her leather pocket that she entrusted her safety and privacy when, in extremis, she bundled into it the evidence from her own body. The role of pockets as guardians of women's
desires, hopes, and secrets is repeatedly illustrated in sources. But as objects, pockets themselves materialize protection with their womb-like shape that you probably have noticed, their inner compartments and private pockets, sometimes structuring their contents, but also the decoration around the opening, which by defining an inside and an outside, the floral motifs circle the opening of many 18th century pockets, as I'm showing you, giving material expression to the guardianship of this protected space and its contents by the wearer, who is also often the maker, implementing a specifically female technology of containment, which anthropologists remind us is always also a technology of the self. It's how you represent yourself to some extent. A small pocket in a private collection gives potent shape to this, embroidered as it is in human hair, with small hearts on either side of the opening. It was made by an inmate of the Duke Street Prison in Glasgow and given to the governor's wife in 1851. Embroidered in hair with the full name of its maker, Margaret Diaz, the heart and the motto, "Forget Me Not." This object gives striking expression to pockets as manifestations of personal identity and the possibility of privacy, especially given the context of close confinement in which this object was made. Pockets didn't need to carry the DNA of the maker to become strong carriers of identity. Whether brazenly and blazoned at the front or more discreetly integrated into its decorative pattern, many pockets carry the name or initials of their owners, white colors that may first appear plain and unremarkable, when looked at closely, can start to divulge a number of details, each fragmentary, but collectively building a more rounded picture of the pocket's significance to its owner. The toil of many plebeian women can be read in the signs of wear, tear, and strain borne by many pockets. At the same time, the darns and repairs and the traces of recycling on the surviving artifacts manifests women's practical tactics to make things last. Plebeian women apply their skills and cunning in order to extend the life cycle of objects that were essential to their existence by clever or crude reinforcement and mending. Jane Thomas was going to market to sell her husband's produce in Wales in the second half of the 19th century wearing those pockets. The back of the pockets, like a palimpsest, embody her preservation strategies for these utilitarian but compassionate objects. Worked to bits and patched to within about an inch of the lines, her pockets register her unrelenting efforts to prolong their usefulness, but also the amount of care and work that went into preserving these evidently much loved objects. This material bricolage that is visible on extant pockets is often resourceful and creative. These women may or may not have been literate, but like Lévi-Strauss Bricola, they can be said to speak not only with things, but also through the medium of things. A group of five pockets, which I'm showing you here, all coming from the same household, illustrates how the particularity of a stitch or a patch can act as a signature. Despite their subtle difference, they share a similar rhetoric of mending, if I may say so. And in the kinship of their patches, what can be read is the singularity of a hand, a unique presence. Whoever made and repaired these pockets is unknown by name to us, but for the patched up pockets. So we don't know her name, but you know, this is probably the only trace that this woman has left.
in the stratigraphy of patches visible at the back, the woman undeniably has left her mark. Looked closely, the stitches and patches on pockets thus illuminate, what those women meant when they said repeatedly in court trials, for instance, they could recognize their own work or indeed their own mending in stolen items. In 1794, Elizabeth Ward, whose house had been broken into, could positively identify and swear in court to a pair of pockets saying, they are mine, they are patchwork of my own doing. While Mary Butler recognized her things, telling the court, in 1797, these things are all my property. Here is an apron of my own mending. I have no doubt that they are all mine. And I'm giving you different examples. Women's hands-on engagement with the material nurtured a specific relation to objects, where the smallest detail of construction in something they had made, the peculiarity of the stitch, became meaningful carriers not only of identification but also of identity. The intimate bond fostered by making or repairing things that such words evoke is difficult to grasp for the historian. In the absence of words, surviving objects might be the only source which registers something of this bond, and in the case of less privileged women, something of the very existence of those women who left no written record behind. So to conclude, I would like to go back to Dietz, a call not to forget small things, an initial, a stitch, a stain, a knot, the marks of strain and pull in particular places, the grime, the wear, the efforts deployed to repair, a crease mark, a hole, a knit number. All these things have big stories to tell if you care to listen. Thank you. Merci beaucoup, Ariane. On passe à la deuxième intervention. Le port du deuil, rite mémoriel, social et très matériel. Valérie Albach est doctorante au centre Lucien Febvre, au sein de l'Université de Bourgogne, en Franche-Comté, pour ceux qui veulent partir en vacances, c'est une belle région. Après un master 2 en histoire à l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne sous la direction de Dominique Khalifa, tu as poursuivi une recherche sur le port du deuil en France entre 1870 et 1950, dans ses représentations, pratiques, production et circulation. Et tu rédiges actuellement une thèse, toujours à l'Université de Bourgogne, sous la direction de Jean-Paul Barrière, sur le sujet que tu vas aborder ce soir. Et deux publications, c'est toujours peut-être intéressant pour prolonger la discussion. Tu as publié en 2021 Plafond de Gilles Leclerc, 6 mois de deuil, le deuil, une étiquette sans affect, dans la revue Sensibilité, Histoire, Critique et Sciences Sociales. Et tu as très récemment, parce que en plus je pense qu'ils font le lancement ce soir du nouveau numéro de Mode Pratique, publié Le Noir se fait la nuit, veillée et industrie du vêtement de deuil dans la législation du travail 1880-1910. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Sophie et Lionel, pour cette invitation à présenter donc une recherche en cours. Ma thèse porte sur le port du deuil en France entre 1870 et le milieu du XXe siècle, comme tu l'as précisé. Elle aborde l'inscription du port du deuil dans l'histoire des sensibilités, ses relations avec la mode et son économie. Ses bandes chronologiques permettent d'étudier l'apogée et le déclin de la pratique en France et englobe trois grands moments de conflit, la guerre franco-prussienne et la guerre mondiale, qui interroge l'expérience du deuil et de sa mise en scène dans le cadre familial et dans le contexte commémoratif national. J'étudie la façon dont les normes circulent dans les différents milieux sociaux, géographiques, comment elles sont appliquées, adaptées, ignorées ou excédées, en relevant les influences extranationales, celles de la Grande-Bretagne notamment. Ma recherche s'appuie sur un corpus de textes normatifs, manuels de savoir-vivre, presse, des crimes fort privés, d'archives notariales, judiciaires et commerciales, de photographies, de récits ou de vêtements. Il existe une temporalité propre au rituel vestimentaire du deuil. Le vêtement de deuil devient brutalement, pour une famille touchée par la mort, un vêtement du quotidien, plus les autres,
pour un temps défini, généralement défini, de quelques mois à deux ans, selon le degré de parenté avec le défunt. Le vêtement de deuil s'inscrit bien sûr dans un ensemble de signes répondant à des normes sociales et contextuelles, donc sa vie en fonction du moment de la journée, de son âge, de son appartenance sociale et de ses ressources, de ses activités, du contexte géographique et climatique. L'existence sociale et religieuse est scandée d'étapes symboliques hein, qui recourent à un vestiaire reconnu par tous, le baptême, la communion, le mariage, l'uniforme, qui accompagnent l'entrée dans une communauté ou un changement d'état civil. La perte d'un proche doit, elle aussi, être marquée par un vêtement, porté peut-être un peu pour soi, pour le mort, mais surtout pour affirmer sa connaissance des rites d'interaction sociale. Et sur ces deux images, deuil et mariage se côtoient dans les catalogues de la maison du Petit Saint-Thomas et aux classes laborieuses. Le rituel impose un renouvellement rapide, total et donc coûteux de son vestiaire. Il préconise un isolement social, c'est-à-dire qu'on ne reçoit pas et on ne sort pas pendant le grand deuil. Il proscrit les travaux d'aiguille et la confection domestique de ses propres vêtements. Ces règles semblent peu adaptées aux conditions de vie des classes populaires. Le terme de classe populaire appellerait une définition, disons, les gens à faibles moyens. Travailleurs, les ouvriers, employés, paysans, petits commerçants ou petits artisans. Le protocole du deuil est décrit dans les manuels du savoir-vivre, la presse, notamment la presse de mode, et les plaquettes publicitaires éditées par les magasins spécialisés, vendant tissus et vêtements pour le deuil. Selon Hermance Dufaux de La Jonchère, les lois du savoir-vivre sont, je cite, inspiré par la nécessité de maintenir en paix un groupe d'individus destinés à vivre ensemble. Cette nécessité de vivre ensemble est souvent perçue comme un désir de vivre comme, qui relèverait d'un mouvement ascensionnel de la petite et moyenne bourgeoisie tendant à intégrer les valeurs de classe socialement plus élevées. Pour Pierre Boitard, auteur d'un manuel physiologie de la bonne compagnie, l'étiquette, je cite, a été inventé dans un seul but, celui d'opérer sans secousse, sans tiraillement, le triage de la société. La barista invite dans ses usages du monde toutes les classes à apprendre le bon usage, car, je cite, nous sommes à l'époque heureuse des fortunes rapides et des promptes élévations. Elle s'adresse donc aux futurs nouveaux riches, mais parvenus un peu vite dans la société. Poussé par les mobilités sociales et les nouvelles fortunes de l'industrie. Les traités de savoir-vivre sont, comme les articles de presse de mode, souvent signés de pseudonymes à particules et titres de noblesse. Il y a donc cette représentation de règles sociales assimilées par les classes supérieures et poussées vers le bas. On peut alors faire une lecture par la classe, en considérant que le rituel vestimentaire du deuil se diffuse sur un processus de distinction et d'imitation. On pourrait l'aborder différemment, hein, comme un phénomène social sexué construit autour d'une représentation de la femme garante de la mémoire familiale. Le rituel serait révélateur de rapports entre les sexes qui poussent à enfermer les femmes dans des systèmes contraignants dont les hommes s'émancipent assez facilement. Ou on peut lire ce rituel comme un soutien tangible pour traverser des épreuves psychologiques. La norme rigide du port du deuil qui calcule sa durée, je me rappelle, selon le degré de parenté avec le défunt, semble laisser peu de place à la réalité des sentiments, mais le temps prescrit peut être rapproché de la période nécessaire au travail de deuil. L'expression prend son origine dans l'article de Freud de Mélancolie et deuil, publié en 1917. Le vêtement de deuil et peut-être aussi donc, un vêtement de travail. Mais revenons à une lecture du vêtement de deuil comme arme de classe. Les facilités de consommation pourvues par la production en série et bon marché des vêtements et la circulation des modèles auraient brouillé au XIXe siècle les signes distinctifs de la population. La sociologie émergente a alors développé des outils de classification et d'analyse. Je reprends les textes de Veblen, Zimmel ou Gabriel Dutard, souvent convoqués par les historiens du vêtement sur ces questions d'imitation, de distinction ou de consommation ostentatoire. L'histoire de la sociologie et de la consommation continue à décrire un schéma pyramidal faisant descendre les modèles
les goûts, les modes, les objets eux-mêmes, des classes supérieures vers les classes populaires. Schéma qui appelle sans doute à la nuance. L'ouvrier ne rêve pas forcément de porter une redingote à lire Alain Faure ou Manuel Charpin. Le vêtement de deuil est-il porté selon les mêmes règles dans tous les milieux sociaux? La durée des deuils indiquée par la Baron Staff est celle, je cite, observée dans les grandes familles et dans le peuple. Dans le peuple des champs surtout. La classe moyenne et la classe ouvrière l'ont beaucoup raccourci. Dans l'ouvrage Paris croque-mort, paru en 1889, Charles Guillermet et Henri Huguet font le portrait des Parisiens qui visitent leur mort à la Toussaint. Il faut rappeler qu'on porte le deuil pour aller au cimetière ce jour-là. Pour les plus fortunés, je cite, la toilette joue un grand rôle. Mais, je cite à nouveau, les petits bourgeois, les ouvriers, s'habillent comme ils peuvent, suivant leur état de fortune. De cela, la visite est sincère. Les femmes jardinent, les enfants vont chercher l'eau à la fontaine pour arroser les fleurs. Il est question d'incapacité financière, mais aussi du sentiment qu'on prête aux classes sociales pour échapper au carcan des conventions bourgeoises. Si un homme ne peut pas se permettre l'achat d'habits de deuil, les manuels préconisent le port d'un brassard sur des vêtements ordinaires. Mode anglo-saxonne, excusable dans ces circonstances, selon la Baron Staff. L'atténuation des signes vestimentaires du deuil est discutée au début des années 1890. Je cite cette fois le Progrès illustré, supplément littéraire du Progrès de Lyon, en 1891. Nos voisins, les Anglais, ont décidé de ne pas voler leur réputation de gens pratiques. Ils sont en train d'accomplir chez eux une grosse réforme somptuaire que nous ferions bien de réaliser aussi sur le continent. Il s'agit tout simplement de supprimer le deuil dans le costume. Le vrai deuil ne saurait se porter autrement que dans le cœur. Les Anglais, donc. En Angleterre, deux organisations militent depuis le milieu des années 1870 pour une réforme du deuil. La National Funeral and Mourning Reform Association et la Church of England Funeral and Mourning Reform Association. Ces associations sont engagées surtout sur la réforme du funérail. Un article signé F.W. Arbuthnot paraît en 1889 dans la revue The Woman's World. Il s'agit d'une mensuelle éditée par Oscar Wilde. Auteur, vicomtesse, est une militante de la réforme du vêtement féminin au sein du mouvement Rational Dress. Lady Arbuthnot souligne que si les dépenses funéraires sont lourdes, l'obligation de procurer un nouveau trousseau à toutes les femmes d'une famille est, sur le long terme, un facteur de misère plus important encore. Elle affirme que les coutumes sont davantage respectées par la population pauvre et peu éduquée, ce qui ferait du deuil non plus une règle de la vie bourgeoise, mais une tradition. Elle cite le cas des membres d'une famille pauvre, insultés et bafoués par leurs voisins pour n'avoir pas pris le deuil après le décès d'un des leurs par manque d'argent. Ces dépenses sont généralement faites au détriment de la santé et de l'éducation. Lady Arbuthnot a d'autres arguments pour appeler une réforme. Le sentiment de perte disparaît dans l'effervescence des achats de toilettes. La règle pèse sur les femmes essentiellement. Les vêtements du deuil ne sont pas hygiéniques. La réforme doit venir, selon elle, d'en haut. Elle trouve regrettable que la Cour montre le mauvais exemple au peuple. On a bien sûr en tête la reine Victoria et son inflexible deuil de veuve. Une autre lady, Lady Bell, habituée à visiter les pauvres, rapporte dans un ouvrage de 1907 le cas, trop courant selon elle, d'une charité mal employée. En quelques jours, une veuve a dépensé pour l'enterrement de son mari des vêtements de grand deuil, l'argent donné qui lui aurait permis de vivre pendant un mois. Dans les pratiques charitables traditionnelles, le bienfaiteur travaille à moraliser le pauvre pour le conduire vers l'autonomie et l'épargne. Les dépenses de garde-robe sont souvent considérées comme superflues. Dans leurs enquêtes sur la condition ouvrière, les réformateurs et les observateurs sociaux français critiquent eux aussi les foyers qui dépensent mal et les ouvrières qui ont un goût excessif pour la toilette. Selon Michel Perrault, les vêtements représentent environ 16,5% des dépenses d'un ouvrier moyen dans les années 1880. C'est plus que le logement qui représente 12,3%. La nourriture est la plus grosse dépense, avec 62,8%. Les règles du deuil s'appliquent aux individus associés au foyer.
Le deuil des domestiques est donc de rigueur. Ils sont tenus de le porter aussi longtemps que leur maître, qui doivent leur fournir le nécessaire. Le vestiaire est détaillé dans le Moniteur de la mode en 1902. Les femmes de chambre et cuisinières devront porter des robes de laine noire, des chapeaux et bandes noires quand elles sortent. Les valets de chambre, maîtres d'hôtel, valets de pied, cochers revêtiront des vêtements de drap noir unis avec une crêpe ou chapeau. Pour les cochers et les valets qui suivent la voiture, la culotte blanche est admise, mais les boutons dorés de la livrée devront être remplacés par des boutons recouverts de drap noir. Ici, deux extraits de catalogue avec des étoffes de deuil pour domestiques, des chapeaux ou bonnets vendus très bon marché par le magasin de deuil à la Scabieuse à Paris, on est en 1977. Et à droite, des livrées, habits de maître d'hôtel ou pain-dessus cocher dans un catalogue du bon marché vers 1893. Les circuits par lesquels on se procure un vestiaire de deuil sont les mêmes que pour les vêtements ordinaires. On y ajoute les magasins de deuil, les magasins spécialisés. Il y en a entre 50 et 70 à Paris à la fin du siècle. On peut modifier un vêtement existant par des applications en crêpe ou d'imitation de crêpe qu'on enlèvera à la fin du deuil. Donc, le crêpe anglais, une photo, est un crêpe noir gaufré, tissu fait de fils de soie tordus sur eux-mêmes, puis passé dans des cylindres qui en marquent le relief. Le vrai crêpe est fragile. On peut adapter son vestiaire par la peinture, dans le cadre domestique, en s'adressant à des professionnels. Ici, un article de la mode illustrée en 1895 donne deux recettes de teinture noire. La première est à base d'extrait de bois de campêche. La seconde utilise les mélanges de produits chimiques qu'on trouve chez les marchands de couleurs. Et à droite, une carte photo de la teinturerie Bézia à Paris, avec son inscription sur la vitrine « Deuil en 12 heures », slogan commun aux teintureries et aux magasins de deuil. Dans ses confessions d'un enfant de la chapelle, Albert Simonin, né en 1905, témoigne, je cite, « Chez les pauvres, en ce temps-là, le deuil se portait laid et coûtait cher. » Donc, ses parents ont recours aux teintureries pour ceux de nos vêtements assez solides pour supporter l'épreuve de la teinture. Ils se sont aussi endettés en achetant des vêtements deuil à crédit au grand magasin du Fayel. Un autre témoignage de consommation ou de désir de consommation populaire est livré dans un ouvrage d'Albert Vras, intitulé « Potier et mineur de terre » paru en 2002, qui raconte l'histoire de Saint-Victor des Houles dans le Gard à partir de témoignages oraux recueillis auprès des anciens du village. Jeanne Carayol dresse le portrait de sa famille, des parents qui travaillaient à la mine, sept enfants dont deux décèdent très vite. Les gens tous ont fait des comptes de deux pièces. Elle avait 9 ans à la mort de son père en 1918. La petite pension de veuve de guerre de sa mère ne suffisait pas et Jeanne a dû faire le ménage chez les plus riches. Elle raconte qu'elle prenait plaisir à regarder le marché ambulant de tissus et de vêtements garés sur la place du village. Je la cite. « Je ne me lassais pas de contempler son étalage sur tous les beaux tabliers bleus ou roses. Moi, j'étais toujours en deuil. Après la mort de mon père, j'ai dû être vêtue de crêpe noire pendant 3 ans. Ensuite, je pouvais avoir un peu de gris ou de violet. C'est ce qu'on appelait le demi-deuil. Au village, il y avait beaucoup de filles dans mon cas. J'espérais toujours, parce que le demi-deuil n'est duré que quelques années, mais mon petit frère est mort et tout a recommencé. » On se demande là s'il n'y a pas fusion entre ces souvenirs, dans ces souvenirs entre règles et pratiques. Le deuil décrit est particulièrement long, rigoureux et onéreux. Le prêt est une autre forme d'accès à un vestiaire de deuil, fourni par les institutions ou dans le cercle privé. On trouve des exemples même dans les milieux bourgeois. Vous avez là l'extrait de correspondance de Gustave Flaubert à sa sœur Caroline, on est en 1843, et donc il y a cette mention. Les colliers sont dans le deuil, ou plutôt devraient être dans le deuil, ils ont perdu un cousin. Gertrude m'a dit qu'elle n'avait pas le moyen de s'acheter une robe noire, et que la même, dans les grandes occasions où il faudrait absolument sortir, servirait à toute la famille. On peut aussi bénéficier de dons. Le contexte particulier invitant à la compassion et à la solidarité. La mode illustrée intervient en décembre 1909 pour une abonnée que la mort de son mari vient de congé avec ses nombreux enfants
dans la plus cruelle détresse et demandent à ses lectrices, finissant un deuil, si elles peuvent donner des vêtements noirs dont elles ne se serviraient plus. Une part importante de mon corpus est constituée de photos. Ces sources sont soumises à des difficultés d'interprétation. Elles sont en noir et blanc, donc ne fournissent pas de certitude sur la couleur des vêtements. Le noir est de toute façon très porté en dehors du deuil. Il manque souvent une localisation, un nom, une date. On se fait prendre en photo, souvent en dimanche, pas dans les vêtements de tous les jours. C'est donc un peu la chasse au papillon. Au dos de cette carte photo figure le nom du fabricant du papier photographique qui est parisien et simplement la mention 1916 écrite au crayon. Une femme en tenue foncée, noire a priori, porte du crêpe au col et sur le bas des manches. Elle tient un numéro du miroir hebdomadaire de photos d'actualité très diffusée pendant la Grande Guerre. Le numéro est daté du 2 juillet 1916, qui correspond à l'année de Gaulle. Difficile d'en savoir plus. Les recherches autour d'une carte photo de la famille Larofi sont plus fructueuses. On y voit Basile Larofi, né en 1879 dans une petite commune du Lot, et son épouse Marie-Angèle Destruel, née en 1883. Ils se sont mariés en 1901 dans l'Aveyron. Basile est mineur, comme son père et son beau-père. Marie-Angèle est couturière. Elle porte ici une tenue noire avec des applications de crêpes sur le bas des manches, le col et près des boutons. Basile porte un costume sombre avec un brassard de deuil sur le bras gauche. Le père de Marie-Angèle est mort le 1er décembre 1913. On ne sait pas quand a eu lieu la prise de vue. L'image a été envoyée en août 1914, soit 8 mois après le décès, à une cousine de Marie-Angèle. Le couple a alors 6 enfants. L'âge de raison et l'âge de la première communion sont souvent les pivots des textes normatifs. Jusqu'à 7 ans, les enfants portent le deuil en blanc, parfois avec une discrète garniture noire. Puis on introduit du noir par des accessoires. Et après 12 ans, le deuil est plus rigoureux et se rapproche de celui porté par les adultes. Cette famille semble donc assez représentative de la règle. Rappelons que la mère est couturière. Je parlais de noir et blanc entre guillemets, avec les réserves nécessaires. Gabriel, 1 an sur les genoux de sa mère, est en blanc de la tête aux souliers. Fernand, 4 ans, appuyé sur les genoux de son père, porte une robe blanche avec un fin ruban noir et des bas noirs. Georges, à gauche, 6 ans, porte de façon assez égale les deux couleurs. Georgette, assise à droite, 9 ans, est vêtue de noir, hormis un col blanc, comme les deux aînés, debout. Derrière, ils ont 10 et 12 ans. La robe de Marie-Angèle a un aspect peut-être un peu brillant. Le deuil de père se porte généralement 1 an, mais on peut, après quelques mois, citer les tissus mats du grand deuil. Je présente ici 5 images tirées de la presse de mode entre 1918 et 1933. Je vous propose un petit jeu. S'agit-il de 5 femmes en deuil? En fait, 2 sont en vêtements de travail de tous les jours, ce sont des nurses. Un petit rappel que quelques faux anonymes peuvent troubler la lecture des images. Je retourne à la mine, cette fois un peu plus longuement. Le 10 mars 1906, dans une mine de charbon du Pas-de-Calais, la Courrière, une explosion de grisou provoque la mort de près de 1100 personnes. L'événement est largement rapporté dans la presse. Avant de descendre à leur poste, les mineurs doivent passer par la lampisterie pour récupérer leur lampe à huile et changer contre un jeton pour s'assurer à la fin du service qu'aucun mineur n'a été oublié. Dans ce dessin de grand jouant paru dans l'assiette au beurre le 24 mars 1906, c'est une représentation de la mort voilée qui distribue les lampes. Ce voile renvoie à la coiffe des tribus de charbon, le CAFU, dans un jeu de proximité avec le voile de deuil. Ici, 2 cartes postales montrant des trieuses de charbon à Lens et à Monceau-les-Mines. Comment les veuves des mineurs de Courrières sont-elles représentées? Elles sont plus de 500, avec plus de 1000 orphelins.
C'est ce deuil massif que Stan Lang choisit de souligner en les montrant dans cette gravure en groupe. Le visage baissé pour certaines, voilé, avec au centre de la composition une sorte de vierge à l'enfant. Une femme sur la droite est en cheveux et interpelle le spectateur. Les veuves sont seules dans les images suivantes. En haut à gauche, la catastrophe de Courrières, une veuve, dans l'illustration du 17 mars. La légende nous indique dessin de George Scott, d'après un croquis de notre envoyé spécial E. Claire Guillot. Sur la table près du mort, un bol contenant de l'eau bénite avec un rameau d'huile et une assiette destinée à recevoir l'offrande des visiteurs. Donc on atteste de la véracité documentaire de la représentation artistique. On souligne les rituels de la mort. On ne parle pas de rituels vestimentaires, sans doute parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, comme sur le dessin de l'assiette au beurre à droite. La veuve conserve son tablier, évocation du quotidien. Elle est sur les épaules d'un châle sombre. La tenue de ses pas n'est pas très différente de celle sur la carte postale en dessous, montrant l'attente des nouvelles après l'accident, donc des femmes dans leurs vêtements ordinaires. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit là aussi hein, d'une représentation. Les photos sont souvent mises en scène, posées, retouchées. Ces dessins de veuves sont là pour montrer le tragique de l'événement, le dénouement du prolétariat, illustré par cette femme en haut à droite, dans l'assiette au beurre, et les bras ballants, les mains vides, privée de la force de travail du foyer. La légende nous dit qu'elle a perdu son mari et ses 5 enfants. Le petit Parisien met lui en scène la distribution des secours aux familles des victimes. Elle a eu de son numéro du 22 avril 1906. On choisit à montrer les bénéficiaires de la solidarité nationale et des services municipaux. Si on remarque encore un tablier, le vestiaire pareil dans l'ensemble est moins modeste, les vêtements sont longs, 2 ou 3 coiffes sont peut-être des bonnets de deuil. On voit quelques couleurs claires, mais la palette est ferme, hormis quelques touches de rouge dans les vêtements des enfants. On peut comparer ces tenues avec celles portées par les femmes de Courrières, sorties de chez elles précipitamment dans le chaos de la catastrophe. Dessin du même illustrateur, elle a eu le même journal un mois auparavant. Le corsage et les joues sont dans des tons moins éteints. Comme pour les images précédentes, le moment représenté ici n'est pas celui de la cérémonie funèbre, cérémonie lors de laquelle les signes de deuil sont plus massivement affichés, surtout dans le milieu populaire, qui investit ce moment à défaut de pouvoir observer le protocole sur la durée. Dans cette image, toujours l'illustration, numéro 17 mars, donc, l'image montre la cérémonie funèbre à la chapelle improvisée du puits numéro 2 à Billy-Montigny. On y voit des femmes avec chapeau et voile, des tenues plus proches des règles vestimentaires du deuil. Le petit Parisien du 14 mars évoque une première journée funéraire à Méricourt, je cite. Par tous les chemins arrivent les familles, les hommes en habit du dimanche, les femmes en bonnet sur lequel des longs voiles noirs ont été épinglés. Quel spectacle poignant que celui de ces mineurs en costume des grands jours, pleurant silencieusement comme de grands enfants sur le sort de leurs camarades. Porter le deuil, c'est souvent sans dimancher pour les classes populaires, revêtir la tenue des grandes occasions. L'engagement symbolique n'est pas le même pour les veuves que pour les collègues des mineurs décédés, même si parmi eux, il y a certainement des pères ou des fils disparus. On lit dans le journal Le Rappel du 15 mars, les cercueils ont été portés à bras sur des civières par des mineurs en costume de travail. Sur ces images, 2 cartes postales et une photo tirée d'illustration, on voit ces tenues de travail, dont le port est particulièrement significatif, hein, par esprit, le corps et vu les circonstances. Les funérailles sont tendues, c'est un moment de recueillement mais aussi politique. Après la catastrophe, débute un grand mouvement de grève. On distingue ici les barrettes, les casques en cuir brouilli des mineurs, portés par-dessus les béguins, le linge ou le bonnet porté sous la barrette, et même les outils, les pics. La neige ajoute au pathétique de la scène.
Je vais m'arrêter là. Et puis, en conclusion, souligner la variété des sources à mobiliser pour ce sujet, souvent leur caractère lacunaire. C'est sur quelques-unes de ces sources que j'ai voulu axer ma communication, en tentant de montrer à la fois le regard porté par la bourgeoisie sur ces normes et sur les classes populaires, et les traces laissées par ces dernières de leur pratique des rituels vestimentaires du deuil. Merci beaucoup pour vos deux interventions. Vraiment bien illustré la question, voilà, la question des pratiques classes populaires, des classes ouvrières, la manière dont on s'approprie les codes, les normes, comment on s'adapte. Vous auriez une question, deux questions, trois questions pour nos intervenantes, en français ou en anglais? Merci beaucoup pour vos deux interventions. En fait, j'aurais une question pour chaque intervenante. Pour Ariane Pelletto, est-ce qu'on pourrait revenir sur le mot mobilité des liens? Peut-être que j'ai pas très bien compris quelle était justement l'utilisation des poches. Est-ce que je me suis juste demandé si la femme qui porte le reticulum, elle peut aussi avoir des poches à d'autres moments de la journée que les avoir sous sa jupe? Oui, alors, ça marche. Ouais, ça marche. Donc, merci de votre question. En fait, oui, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les poches n'excluent pas d'autres contenants. Parce que d'une part, en fait, les femmes peuvent porter des choses dans leurs vêtements sans qu'il y ait vraiment de poche, en particulier dans leur corps à baleine, par exemple, qui est souvent une sorte de poche naturelle. Elles peuvent aussi s'épingler des choses sur leur jupe, par exemple, pour les porter. Donc il y a tout un ensemble de poches improvisées dans les différentes épaisseurs du vêtement, et puis il y a des sacs. Les femmes ont toujours eu des sacs, alors on ne les appelait pas des sacs à main, on les appelait plutôt des sacs à ouvrage, par exemple, dans lesquels elles portaient leur ouvrage quand elles allaient prendre visite, parce que une partie de la vitalité, c'était de faire l'ouvrage ensemble. Et effectivement, selon les moments de la journée, on pouvait privilégier d'avoir un sac ou des poches. Alors il y a une petite anecdote dans des mémoires d'une dame qui s'appelle Elizabeth Ham, qui donc est une jeune femme en 1800. Donc c'est un peu le moment de la robe en mousseline. Et donc elle a un invité chez son père. Et du coup, comme elle voulait être élégante, elle a décidé de laisser ses poches sous son oreiller, puisque c'était souvent sous l'oreiller en fait que les femmes laissaient leurs poches. Sauf que la pauvre, sa chambre a été prêtée à l'invité. Et l'invité, qui manquait beaucoup de délicatesse, a découvert les poches et ouvert les poches. Et donc, c'est pour elle un souvenir traumatique parce que il a potentiellement lu tous les petits secrets qu'elle gardait dans ses poches. Mais en dehors de ce souvenir traumatique pour elle, là on voit bien qu'il y avait des usages différents, qu'elle a voulu ne pas avoir de poche parce qu'elle voulait être plus élégante, parce que, elle, voilà. Donc là, elle avait décidé de ne pas mettre ses poches. Et elle le dit directement. Est-ce que ça répond Oui, ça fait du bien ici. Et si je peux me permettre une autre question, à Valérie Alpac, en fait, je m'intéresse beaucoup au collier en temps de crise et votre citation de Flaubert sur les colliers qui sont dans le deuil, est-ce que ça signifie que les colliers sont retirés complètement ou est-ce qu'ils sont découverts comme les boutons? Oui, non, pardon, en fait, c'est le nom de famille. D'accord. Pardon, alors, d'ailleurs, elle est anglaise, donc ça ne doit pas se dire collier. Ouais. Voilà, c'est le nom de famille, c'est pas l'objet. Un nom de famille. Sinon, sur les bijoux, il y a les bijoux. En taille, je pense que c'est quelque chose. Oui, alors, peut-être que. Rien. Non, j'ai pas. Enfin, comme je l'expliquais, je suis plus ou moins au début de la recherche et pour l'instant, j'ai très peu travaillé sur les bijoux de deuil, et en particulier bijoux de deuil dans les classes modestes. J'ai pas beaucoup de pistes. Il y a des bijoux de deuil dans tout un tas de matériaux.
congés en bois noirci. Certains sont onéreux, d'autres tout moins. Il y a des verroteries, il y a des copies de jets plus accessibles. Enfin, je n'ai pas trouvé sur les questions. Il y a des autres questions. Je viens de savoir comment vous êtes tombé sur vos sujets, Richard. How did you find your subjects? You're talking about these small but huge subjects. How did you find them? And how did you find you the pockets of the pages? Should I answer in English? Yeah, maybe because some of the students. I met Pockets at the end of my PhD. I wish I'd met them before, but I was at the end of my PhD. I was interested in privacy, and as a senior PhD student, I hadn't, or maybe somebody, well, basically, I hadn't thought of Pockets. But I was looking at indoor garments, like what you would wear inside, away from the kind of fashion days. And I was at the V&A looking at like the small bodices that women would wear that were more comfortable than stays. And the curator said, oh, that actually this bodice goes with pockets. I was like, what do you mean? I was an 18th century specialist. I'd done my MA in France on 18th century literature, so where all the characters keep putting secret diaries in their pockets. And I was like, what do you mean, pockets? Like, what? And she showed me, and I was like, you mean that this is where Pamela hid a diary? And like, all the characters I've been reading, and I was like, why didn't anybody tell me this? And that was it. And basically, I offered a paper at a conference thinking, oh, that's going to be a welcome change for my PhD, you know, the way it is at the end of your PhD, you want to do anything but your PhD. And to my awe and dismay, I was a young PhD student, I was told that, because at the V&A, the curator said, oh, there's a woman who's just won this big grant to study pockets, and so this is why they're out, because I'm going to show the pockets to her. And when I offered the paper, the person I referred to as the Queen of Pockets, Barbara Bowman, was present, and I was like, oh my God, you know, who am I to even talk about pockets? But then I must have done okay, and we got on, and then we decided to write the book together. So this is how Pockets found me, rather than I found Pockets, maybe. L'histoire a commencé à Eastman. Je suivais un cours sur les pratiques du vêtement, enfin sur l'histoire sociale du vêtement. Donc, et le cours était assez axé sur les couleurs, les différents symboles des couleurs. Et chaque étudiant devait faire un exposé. Et à ce moment-là, il y avait une journée d'études de l'association française pour la fête, l'association française pour l'étude du textile, sur le sujet. Et j'ai proposé de travailler sur le deuil, et en pensant qu'il allait trouver plein de choses. Et l'exposé qui devait durer une vingtaine de minutes est devenu un truc un long, ça a duré tout court, ça a été très très long. Et voilà, en préparant cet exposé, je me suis aperçue qu'il y avait de littérature sur le deuil en France. Bien m'exposer, je remercie. Voilà, je remercie Esmond. Je voulais juste donner un détail. Vous avez cité la teinturerie qui annonçait la nécessité de faire teindre ses vêtements rapidement. À Lyon, c'était en 68, dans un quartier très populaire du centre de Lyon, il y avait un magasin teinturie dégraissage, parce qu'à Lyon, je crois qu'à Paris, ça ne se dit pas, mais à Lyon, c'est du dégraissage, teinturie. Il y avait écrit « Deuil rapide en 24 heures ». Et j'ai toujours... On n'avait pas de portable à l'époque pour prendre la photo. Et pendant des années, on s'est dit qu'il faut absolument prendre cette photo. C'était vraiment... On voyait le quartier populaire, il y avait une friterie à côté. Et il dit « Teinturie, deuil rapide en 24 heures ». Voilà, toujours on a annoncé cette archive qui vous aurait peut-être annoncé. Oui, on retrouve
beaucoup de photos, effectivement. Des photos de doigts, jusqu'à assez tard, dans les années 50-60, on retrouve cette inscription, qui est aussi le slogan commercial du magasin de deuil, qui est très rapide. Chacun y va de son deuil immédiat. Est-ce que c'était du marketing avant l'heure? Parce que c'est le slogan, même sur les publicités, sur les promos, sur les catalogues. Et ensuite, quand on lit le texte, écrit en petit, c'est pas tout à fait 12 heures. Voilà, c'est vraiment un slogan. Oui, c'est un truc. C'est inscrit vraiment sur la pierre dans le prix. On voit que c'est fait pour rester. Quoi. C'est une institution. Pour Valérie Lévesque, vous avez parlé des boutiques, justement, enfin, tout ce qui est en train d'être dit, et des catalogues que vous avez montrés sur les biens entre les robes de mariée et les robes de deuil. Ça, c'est un récurrent dans les boutiques. Enfin, comment ça se fait que ces deux couleurs opposées sont du coup au même endroit? Alors, je pense que c'est un souci d'économie pour la publication du catalogue, des planches où on réunit tous les types d'articles. Et là, ce ne sont pas des magasins spécialisés, donc c'est vraiment des grands magasins assez populaires, des classes laborieuses. C'est aussi comme les grands magasins du Fayol, des magasins qui proposent de la vente à crédit. Et donc, je pense que là, c'est un montre toutes leurs possibilités, enfin, tous les articles qu'ils peuvent fournir. Donc, je pense que c'est un effet comme ça sur les catalogues, de réunir différentes choses, mais c'est assez frappant, enfin, c'est un peu tous les âges de la vie, des moments heureux jusqu'au pire. Et on trouve ça aussi, des images assez étonnantes, et je pense qu'ils relèvent du même souci d'économie dans le petit écho de la mode, pendant la Grande Guerre, où on voit des planches qui représentent tout un tas de modèles, et dans le lot des veuves, et on est dans des situations, on est à la plage, dans des situations de loisirs, et c'est un peu étonnant de voir des femmes couvertes. Voilà, mais je pense que c'est... je pense qu'il ne faut pas lire le document au-delà de... c'est plus simple pour des dessinateurs, enfin de faire une planche avec tous les modèles qu'on met côte à côte et qu'on inscrit dans un paysage. Dans ma première diapositive, j'avais mis aussi cette image qui là est une photo privée qui représente une femme totalement en deuil. C'est à Oulgat, dans les années 20. Elle a des chaussures blanches qui détonnent. Il y a la plage derrière, et il y a une femme à côté, habillée tout en blanc. Voilà, ça s'inscrit quand même dans le quotidien. Peut-être que tu as parlé des différentes grilles de lecture que tu avais pour aborder le deuil, distinction, imitation, et aussi tu as abordé la notion de genre. Et tu as dit que c'était... que le deuil permet en fait les femmes dans des systèmes contraignants. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? Est-ce que le deuil était vraiment quelque chose? Parce que si elle perd leur mari, leur frère, elle perd beaucoup de gens et elle leur demande de suivre ce code. Et c'est vrai que moi je l'ai étudié pendant la Première Guerre mondiale, et en même temps on leur demande de suivre ce code qui doit les isoler complètement de la vie sociale, et en même temps on leur demande de travailler pour remplacer les hommes partis au front. Donc il y a une vraie tension. Elles doivent aller travailler dans les usines, totalement recouvert d'un voile de comme ça, donc il y a énormément de conflits pendant la guerre. Et est-ce que de manière plus générale, tu dirais que le deuil, il a tendance à pressuriser les femmes plus que les hommes? Oui, c'est vrai qu'il y a une forme de paradoxe, même en dehors des moments de guerre. C'est à la fois de l'ostentation, enfin, il faut montrer qu'on a... ce qui peut poser une question, hein, pourquoi on veut montrer qu'on travaille, qu'on traverse cette période qui est intime, pourquoi on doit afficher à ce point cette ostentation, et en même temps on lui demande de ne pas sortir. Dans la règle, il faut rester correct, il faut rester chez soi,
on a le droit de recevoir un peu, mais dans la journée, parce que le soir, on serait dissipé. Et la famille proche, pas de temps, pourquoi cette ostentation et en même temps cette prostration, hein, c'est assez paradoxal. Et on trouve ça dans les textes très tôt, mais j'étais surprise dans le texte de Lady Arbuthnot, en 1883. Elle insiste beaucoup sur. Alors, elle cite un exemple d'un jeune couple. Le père du mari décède. La jeune épouse n'a quasiment pas connu son beau-père. Il y a une fête. Et son mari va à la fête. Et il est décidé qu'elle restera à la maison. Et donc, elle dénonce beaucoup ce poids fait sur les femmes. Enfin, elle parle de dépression, elle est très dure. Lou Taylor, moi, j'ai pas parlé du livre de Lou Taylor, qui est « La vie », elle insiste beaucoup sur cette... Enfin, pour elle, le deuil, c'est une oppression, c'est une forme d'oppression. On habille ces femmes dans des vêtements inconfortables. Les derbottons qui sont pas... hygiénique, parce qu'on va bouger, c'est très enveloppant. Il y a cette image de vestiaire masculin déjà très sombre, très noir, donc ça se voit pas beaucoup. Mais, et donc il y a le brassard. J'avais des questions sur le brassard pour rebondir sur ce que pense Sophie. Les femmes n'ont jamais porté de brassard. Mais si elles en portaient. J'en ai pas trouvé encore, en tout cas en France, mais j'ai trouvé alors une image. Peut-être dans les pays anglo-saxons. Voilà, c'est une mode anglo-saxonne où on essaye, dans cette réforme, on essaye vraiment de supprimer cette norme qui est hypocrite, coûteuse. J'ai trouvé dans les catalogues commerciaux quand même des brassards à la page des accessoires pour femmes. Et j'ai trouvé. Et pendant la guerre, c'est très dangereux d'avoir une robe. J'en avais vu quelques-unes, quelques brassards pour les femmes pendant la guerre. Mmh. C'est pratique, plus pratique. Oui, on ne peut pas porter un vol, les feux, les pieds. J'ai trouvé une femme, mais dans un pays scandinave, je sais pas, une femme bourgeoise avec un brassard, mais je n'ai pas trouvé encore. En dehors de contexte vraiment très particulier de femmes politiques. But I think this question of gender differences really concerns both your papers, and also this question of sort of almost forced visibility, and the possibility of a kind of hidden self. But I'm wondering if you could say something about the gender difference there, because women obviously carried enormous amounts with them. So what are they? Yes, I haven't talked about men, but obviously there's a big gender difference because men had integrated pockets, like modern day pockets, that is pockets integrated into the seams of their outfits, and they had multiple pockets. They had pockets in the 18th century, they had pockets in their breeches, in their waistcoats, in their coats, so they would have at least 10 pockets. They tended to be more specialized pockets, that is, pockets for different types of possessions. Because women started also to have integrated pockets, like sewing pockets, in the second half of the 19th century. But women complained about not being able to find, usually it was one pocket when it was sewn in, and it was never stable in its position. So there's a little bit of literature on women complaining that their dressmaker must be cruel because they kind of put their pockets, the pocket of their dress, in really impractical places, like in their bustle or in the hem. So they have to kind of twist around to try and retrieve something from their pocket. With men were in a way certain of finding pockets in their dress. And this is, at least since the Renaissance, we know, because we have surviving things from
northern countries like in Denmark and everything, where we have all pieces of 16th century garments, 16th and 17th century garments, where we see pockets that are there. Within the medieval period, they had passes like the women hanging from their waists. Thank you very much. Thank you. Maybe we can end the... Is it also very hot? I don't know what you mean. How you feel? Just maybe, do you want to maybe just to remind the next one so you have a little bit of holidays? Yes, so thank you both so much for making us comfortable. Thank you all very much for joining us tonight on this journey into everyday dress, and we're looking forward to welcome you again on the 12th of October when we continue the series with a session called Made Against, Rethinking the Political Dimensions of Fashion. So we are concerned with protests, different protests in fashion. So thank you for coming. Have a wonderful summer. I wish you will come back in October, and everybody else a lovely weekend. Thank you very much.